Je m'appelle Jean-Loup Daré. J'ai une formation juridique et administrative et il y a environ une vingtaine d'années, j'ai décidé de changer d'option et d'apprendre la pâtisserie et la boulangerie. Il y a 5 ans, j'ai repris cet établissement, le Saint-Aulay, situé à Ixelles et maintenant à Uccle, avec un associé qui est pâtissier et qui s'appelle Fabien Grégoire. Alors nous avons repris l'entreprise parce que d'abord nous la connaissions, nous connaissions le potentiel de l'entreprise et de plus créer une entreprise en Belgique en général ou en Europe est devenu quelque chose de très difficile, de partir de zéro surtout dans ce secteur. Nous n'avons pas vraiment eu de difficultés dans la signature du contrat vu que nous étions d'accord avec les anciens propriétaires. Au niveau financement, si difficultés il y aurait pu y avoir, nous avons été très très bien entourés et conseillés par des amis banquiers ou juristes qui nous ont beaucoup aidés. Alors nous avons fait un emprunt qui nous a permis de financer la reprise. Nous avons également dû apporter des garanties. Les subsides, nous les avons eus au niveau des transformations que nous avons très vite entrepris à la pâtisserie et surtout à notre nouvelle boulangerie. Au sein de notre entreprise, ce qu'il y a de bien, c'est que les rôles sont très différents, sont vraiment bien définis. Mon associé est pâtissier, il est compagnon du Tour de France, à ce titre, il gère entièrement la fabrication et l'atelier. Je n'ai rien à dire, je donne mon avis, mais je le laisse faire. Et au niveau gestion et magasin, moi je m'occupe exclusivement de la vente, des relations publiques et de la gestion administrative et comptable quotidienne. Et là aussi, il me laisse faire, nous avons une relation de confiance qui est très très importante. Là aussi, c'est très important à souligner, la confiance entre associés doit être totale. Non, ils sont partis tout de suite parce que la spécificité de cette entreprise est que Fabien et moi y avions travaillé et donc nous connaissions très bien la maison. De plus, les anciens propriétaires avaient réellement l'envie de tourner la page. Alors il y avait très peu de personnel quand nous l'avons reprise. Nous avons gardé certaines personnes, d'autres personnes nous ont quittés. Mais depuis la reprise, nous avons multiplié le nombre de personnes par 3 en fait. Ah ben, les difficultés, évidemment, ce sont les horaires. Donc, quand on est indépendant, surtout dans un magasin, une maison qui marche bien, on a énormément de travail. Évidemment, le problème, c'est le personnel. Donc, nous avons du mal à trouver du personnel qualifié. Et le gros problème, et ça, c'est pour tout le monde, ce sont les charges sociales qui peuvent, à tout moment, mettre la pérennité de notre entreprise en danger. J'avais surtout sous-estimé, mais ça s'est posé, c'est un problème qui s'est posé par après, la difficulté pour trouver du financement. Ça, j'avais réellement sous-estimé cette chose-là. Et si c'est à refaire, bon, ça a été fait dans de bonnes conditions. On a toujours pu financer nos extensions. Le problème, c'est que ça a toujours été de manière très, comment dire ça, on a toujours été, on a toujours obtenu le financement au dernier moment et il faut du temps. C'est ce que je conseillerais à toute personne se lançant dans cette aventure. Il faut énormément de temps pour mettre en place un projet et pour le financer, si en tout cas on n'a pas les fonds propres pour cela. La principale motivation est que nous vendons un très beau produit et que nous avons une clientèle absolument charmante. Et d'autre part, c'est mon affaire et je ne reçois donc pas d'ordre. Je suis indépendant et c'est ça qui me plaît énormément. Voilà.